Salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Final Fantasy XII sur Nintendo Switch, en version boîte également. Pas mal de promos en ce moment d'ailleurs sur le jeu en version boîte. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description si vous souhaitez l'acheter. Et il est sorti entre 2006 et 2007, c'est un portage pour la Nintendo Switch, du coup, comme vous le savez, qu'on va démarrer ensemble maintenant. Je crois qu'en fait, tous les Final Fantasy de l'époque, je les ai oubliés. C'est assez... oubliés. J'ai des souvenirs quand même, pas mal de choses, mais ça commence à refaire longtemps, ça fait 12 ans, donc au final ça commence à faire commencer une partie. Alors système de vibration, oui. Vibration image, non. Sous-titres, oui. Accent, musique réorchestrée, son d'origine, volume, on va mettre ça en anglais, on va mettre ça en anglais là parce que pour les sous-titres ça sera peut-être mieux pour vous. Et on va commencer une partie, parce que s'il y a des sous-titres japonais ça va être un petit peu une galère, ou alors c'est des sous-titres français pour la version japonaise. Bon bref, c'est pas grave, allez, on se le met en anglais, comme ça au moins vous comprendrez, pour ceux qui parlent un petit peu anglais, parce que je ne parle pas japonais. J'adorerais connaître le japonais par contre. Et la cinématique d'intro, et je me tais. Installez-vous hein, pour cette vidéo découverte, elle risque d'être un petit peu longue comme souvent. Comme la vidéo de Final Fantasy VII, comme celle de Final Fantasy X et X-2. Apprécions la beauté d'Ivalice. Oh là là, ça fait tellement plaisir de retrouver cette beauté. Mais la modélisation, enfin, les cinématiques sont toujours aussi belles, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ça a pas bougé d'un pet. In the name of the Father and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Far on. À l'intérieur de moi, il y a cette espèce de hype de l'époque qui est en train de remonter, si vous saviez, c'est... J'en ai un petit peu les larmes aux yeux, c'est fou, mais... Pouvoir retrouver en nomade, en fait, tous les Final Fantasy de l'époque, c'est... Ça va être des portages faciles pour certains, pour moi ça reste fantastique. Navodice has fallen. Impossible. My father? I know not. I am sorry. If Navodice has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbano with all haste. I will go. And I will go at his side. Comment on ne peut pas aimer ça? Je sais pas. Comment on ne peut pas être admiratif de tant de beauté? Peut-être la nostalgie qui parle, je le reconnais aussi, mais... C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Puis l'avoir en version boîte sur Switch, c'est magnifique. Il manquerait plus qu'il nous sorte Final Fantasy VII en boîte sur Switch, s'il vous plaît, Square Enix. Ce serait magnifique. Parce qu'on a le 10 et le 10-2, le 12 qui est là. Faites un effort. Ce serait vachement cool. Allez, vas-y!
C'est vraiment un truc que j'ai toujours admiré chez Square Enix au niveau des Final Fantasy, c'est la beauté des cinématiques et la beauté de leurs animations. Hein. Je sais pas si vous avez vu Advent Children, le film, si vous ne l'avez pas vu, vous manquez un truc tellement génial. Allez regarder tout de suite le film Advent Children parce que c'est une œuvre d'art ce film. Et là, la beauté des animations a toujours été quelque chose d'exceptionnel chez eux et j'admire ça depuis la première heure. Tellement épique. Comment on peut cracher là-dessus sur Switch? Je ne comprends pas. Déjà sur Twitter, j'ai vu des gens qui crachaient sur le fait que Final Fantasy XII arrive sur Switch. Mais les gars, mais bordel! Mais comment ne pas être amoureux de ça? Enfin! Oh! Je respecte les opinions. Je respecte les opinions de tout le monde. Ok, très bien, très bien. D'accord, t'aimes pas Final Fantasy? D'accord, mais dire que c'est un portage facile, sachant que je te rappelle, pour toi qui dis que c'est un portage facile, que tout le monde n'a pas eu forcément l'occasion de le faire à l'époque, c'est une œuvre d'art. C'est de la beauté pure, c'est du diamant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Final Fantasy XII, bordel! Great Father, guide your spirits return to the mother of all. There you shall find. Puis ces musiques, bon, elles sont réorchestrées là, mais c'est. Les musiques de Final Fantasy. Mais c'est pas pour rien qu'ils font des concerts de musique de Final Fantasy, s'il te plaît. C'est de l'orchestration magnifique. Salut. Salut toi. Content de te retrouver sur Switch. Des années après. Une décennie après, ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà une décennie que le jeu est sorti. Lord Rasslaheos Nabradia was but one of many tragedies to befall the kingdom of Darnasca. The air of hope that had surrounded her royal highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalis. Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbana told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Romanos, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbana Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The King had scarce departed his royal city of Rabanasta
when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and written royal blood. Juste cette citation. Juste ça. Qu'est-ce que... Est-ce que je suis en train de crier mon amour à Final Fantasy XII que je n'ai pas retouché depuis ? Oui, absolument. Absolument. Je crie mon amour à la licence Final Fantasy. Je le crie. Je t'aime, Final Fantasy. Clairement. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Of course. Oui, bah on s'est fait poutrer, hein, on va pas le dire, on va pas le cacher, on s'est fait poutrer. Hein. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanaster. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland, and for my parents. Time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bossler, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Cette efficacité incroyable. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move. Allez. Utilise l'angle de vue, très bien, voilà. Hop. Allez, on y va. Oui, je vois le symbole. C'est une icône de discussion. Tu peux discuter avec une personne qui en a un. Tu peux adresser à quelqu'un. Approche-toi de lui, appuie sur A pour parler. On va aller parler avec le monsieur qui est là. Hop. Voilà, le petit soldat. Chose qui n'existe pas, fais ton mieux. Ne cherche pas à accomplir un exploit. Garde des histoires des héros pour ton frère une fois que tu seras rentré à Rabanastré. Écoute le capitaine et tu t'iras bien, tu verras. Très bien. Nous allons pénétrer dans la forteresse. Allez. Icône d'action, quand tu t'approches des portes, leviers et autres objets interactifs, tu peux les t'en occuper. Allez, on ouvre la grille. Il est temps. Nous allons devoir affronter les impériaux qui occupent la forteresse. Le futur de Damalska est en jeu. Concentre-toi sur les soldats qui arrivent par l'avant, Rex. Je couvre nos arrières. Très bien, c'est parti. Ça va chier du pâté. Fouvrez menu principal en appuyant sur X, d'accord. L'état de l'équipe, on va checker. Attends, on va d'abord s'occuper du mec qui est là, mon avis. Allez, viens. Cette ligne rouge est une ligne de ciblage. Méfie-toi, un adversaire qui t'a pris pour cible. Les lignes de ciblage des ennemis sont rouges, celles de la DZ sont bleues. Donc dès que tu vois une ligne rouge, cherche ton adversaire. Si tu n'aperçois pas, regarde aux alentours. Lorsque tu as trouvé, appuie sur A pour ouvrir le menu de combat. Sélectionne attaque et cible ton ennemi, puis avance vers lui et appuie sur L. Tu attaqueras alors jusqu'à ce qu'il trépasse. Ok. Allez, vas-y. Allez. Système de combat qui change complètement, bien sûr, des autres Final Fantasy, puisque on avance petit à petit vers quelque chose de plus temps réel que tour par tour. Ce qui était très agréable d'ailleurs dans ce Final Fantasy XII. Déjà à l'époque. Allez. Captain? Checker ce qu'on a, chasseur, vas-y.
Oula, si je le fais qu'une seule fois, ça devrait suffire. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'on a en compétences? Attends, j'ai pas regardé. Attends, qu'est-ce qu'on a en termes de compétences? Magie blanche, magie noire. Vas-y, foudre. Vas-y, utilise ta foudre, s'il te plaît. Ok. On va essayer de faire pareil. On va faire de la... Alors, les soins non, on va essayer de refaire un peu de foudre. Vas-y. Ça lui enlève pas mal de trucs, hein, la foudre. On va attaquer classiquement. Hop, vas-y. Quoique, les compétences, on a combien de MP? On en a 30. Ça prend 8, ça va, tranquille. Et du coup, je peux checker un peu au niveau de l'inventaire. Je suis au niveau 3. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On a 8 potions, ça va, on est tranquille. Allez, vas-y. Bon, on se fait soigner en plus par le pote, c'est cool. Cette classe. Adeline, this is Sunbury. My engines are hit. She'll not hold much longer. We receive you, Tonberry. You've leave to retire. Well fought. My thanks, Adeline. Tonberry disengaging. Allez, vas-y. On se casse. On s'occupe d'eux. Je peux faire encore de la magie noire, il me reste un peu, vas-y. Boum! Vas-y, attaque-les. Ok, il reste pas, c'est bon. Attends, on est tellement nombreux qu'ils pourront pas faire grand chose à mon avis. Ok, c'est bon. Ah, ok, il en reste un peu de vie. Ok, c'est bon, on les a tous eu. On avance. En avant, Captain! On se casse! On se casse d'ici. Enfin, on se casse d'ici, non, on va d'abord aller les rois, parce que sinon... Il se peut que tu te perds malgré la dark qui apparaît dans le coin supérieur de l'écran. Lancez la consulte et la carte en appuyant sur moins. Très bien. Voyons voir. Très bien. Zoom. Dézoom. Ok, parfait. En avant. Je ne peux pas dissimuler le plaisir que c'est que de retrouver ce jeu. Vossler. Where are you? Bien adapté à la Switch, c'est cool. Captain Azalus is fallen. Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is his majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty... Wait. Bon, porte pas malheur. Quickly, Rex! Bon, du coup, au niveau de la map, on peut aller à gauche, on va aller checker un petit peu, quand même. Je pensais qu'il y aurait peut-être un truc à récup. Apparemment pas. Bon, s'il n'y a rien à récup à chaque fois, on se casse. Parfois, il vaut mieux s'échapper. ZR vous aidera à échapper de la bataille, il faut pas avoir honte de s'échapper d'une bataille. ZR. Ah d'accord, est-ce qu'on peut fuir? Ouais, mais ouais, mais autant se faire un peu d'XP quand même. Oula. Vas-y. Là, on va lui faire de la magie. Ok, bon, on se fait soigner en plus, donc parfait. Bah ouais, mais en fait, ça nous fait... est-ce qu'on gagne de l'XP au début, là? C'est la bonne question. Peut-être pas, hein. Oh, il y a trop de monde. En fait, il y a beaucoup trop de monde. Il va falloir qu'on se casse. Ils arrivent en masse, là. Attends, je check quand même. Non, je suis pas sûr qu'on prenne de l'XP, là. On va se casser, sur... Vas-y, on se casse. Il y a quoi, ici? Il y a un escalier. Attends. Non. Ah, si, c'est l'escalier qu'il faut prendre. Il faut qu'on prenne l'escalier pour grimper. Et... Ok, point de sauvegarde, ça. Ça, c'est bon. Vas-y, il va nous expliquer que c'est un cristal de sauvegarde. Voilà, on commence à connaître les Final Fantasy, monsieur. Cristal de sauvegarde, oui, absolument. Oh là 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 là. Si, sauvegarde. Oh, ça fait déjà 18 minutes? What? Non, ça passe beaucoup trop vite. Bon, bah écoutez, ça va être une grosse vidéo, hein. Installez-vous. Installez-vous, on est bien là. On est plutôt pas mal. Intruders! Don't let them escape!
J'ai surtout hâte de vous montrer un petit peu la suite. Allez. Attends. Vas-y. Ok, ok, parade. Compétence, magie noire, foudre. Vas-y, on va se le faire lui. Attends. Vas-y. Allez, attention. Ok, c'est bon, on en a eu un. Au niveau des PV, on va se prendre de la magie blanche quand même. Vas-y. Et après tu l'attaques. Ah, j'ai peut-être fait l'erreur de checker l'autre attaque. Vas-y, soin. Ok, perfecto. Hop, magie noire, foudre. Allez, vas-y. Boum! Et du coup, on l'attaque en mode classique pour le terminer, et ça va le faire. Tiens, bouffe! Voilà, casse-toi, 3 d'affilée. Bah bon. Vas-y, ouvre-moi cette puerta. Est-ce qu'on prend de l'XP ou pas là? J'ai pas l'impression toujours. On est d'accord que la salle du trône elle est par là, hein, on est d'accord. Ok. Vas-y, let's go. Intended all along to sell Damascus to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, I... Seize the insurgent. Along! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear captain. You have lost. Damascus is the property of the Empire now. And think, we intended to let you keep some of your sovereignty out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And the people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. Bon. Fin de la première séquence, si je ne dis pas de bêtises, qui va nous emmener directement sur la suite de cette belle histoire, qui est l'histoire de Final Fantasy XII. J'espère que vous passez un bon moment avec moi en tout cas. The Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts, I to the people of Dalmasca. Sons and daughters of Dalmasca, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer too for the noble Princess Ash, who, wrought with grief at her kingdom's defeat,
has taken her own life. Know also that Captain Bosch von Ronsenberg, for incitement of sedition and the assassination of His Royal Majesty King Ramanos, has been found guilty of high treason and put to his death. They who at this late hour choose still the sword are cut of the same cloth as the captain. Traitors who would lead Dalmasca to her ruin. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow. Je pense que cette vidéo serait un cri d'amour, encore une fois, à tout ça. C'est juste incroyable à quel point j'aime cette licence. C'est fou d'aimer une licence à ce point-là. Et certes, il y a des épisodes qui sont un peu moins bons que d'autres, mais en termes général, il n'y a pas d'épisode qui ne m'ont pas transporté à chaque fois, tu vois. Keep an eye out for me up there, Kites. One, two, three more. All right. Time to clean house. Allez. Allez, dégage. Est-ce qu'on peut lui voler quelque chose ou pas? Est-ce qu'il a des trucs sur lui? Non, bah bien sûr. Ça aurait été amusant d'ailleurs. Ok, il est où l'autre? Il est là. Il est là. Vas-y. Allez, dégage. Reviens. Ok, troisième. Ok, parfait. Wow, Vaughn, you got them all yourself? Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him? Oops, totally forgot. You should come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I've got other, work to do. J'aime bien que chaque pied aille sur chaque marche. C'est idiot, mais moi j'aime bien dans un jeu comme ça, tu vois. Bon. Allez, vas-y, balance-nous la suite. Je me hâte. Cité royale de Barrabanastre. What'd you say? Yes, sir, you haven't paid, and I... What? Haven't paid? On second thought, please, sir, take it. It's a gift. Leave the poor sod be. We don't want trouble today. Your luck, peddler. Oops, sorry. What's where you're going, Churl? What? My pouch! It's gone! The boy! Get out the way! No! What? Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Pinello. You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperial stole it from us, so it's only fair that we take it back.
It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day. Just because I help Magello out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? One of these days, I'll fly an airship of my own. I'll be a sky pirate, free to go where I will. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Oh, Magello had some errands that need doing. He wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. La carte des environs vous indique souvent où se trouve votre destination. Pensez à consulter si vous ne savez pas où aller. Très bien. La plus map on a été ajouté au menu principal. Allez, viens, on y va. Hop, là c'est à droite. Attends. C'est ça, hein, c'est pas ce qu'il me semble. Un peu pareil à madame. Tout à vie d'information aujourd'hui, remarque l'arrivée de la madame patati patata. Très bien, au revoir. Penelo said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier in the morning. Perhaps he ran into some trouble on the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem. The desert teams are in trouble. I'd be sending you to Early Grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So, you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Kipes to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too? I can't leave my shop at night. Penelo on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kipes back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday. Allez, en avant. Alors attends, c'était où? Oui, c'est ça, ce bout à droite. On va aller checker direct. Toujours fan de ça. Cette accélération absolument magnifique. Hop là. J'adore. Bon. There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look! This is it! This is why Miguelo's courier didn't get here on time. A creature spotted in the Ester Sand. What is that thing? Ah, Vaughn! Un contrat! Miguelo sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguelo, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomage, what's this? Nah, don't remind me. Got some nastiness out there in the Ester Sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place. Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Magello. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Magello. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right, right. Le tableau des primes. Ce qui m'intéressait énormément, évidemment. Les gens affichent une annonce sur le panneau quand ils veulent qu'on élimine un monstre pour eux. Tout chasseur souhaitant obtenir la prime offerte peut alors se porter volontaire. Voici l'annonce affichée au sujet de la tomate égarée, la cible du contrat que je propose. Tu veux en savoir plus sur les contrats? Non, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Absolument. Allez,
Laisse-moi te donner un dossier du clan et t'aidera à t'y retrouver dans les contrats que tu accepteras. Très bien. Ok, vous avez gagné le dossier du clan. Parfait, ça c'est fait. C'est ma première chasse. Un bracelet d'endurance. Très bien. Pas t'en équiper pour l'instant, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas le permis correspondant. Vois les permis un peu comme des paliers qui viennent sanctionner tes progrès en matière épée, arc, magie blanche, magie noire. Rien de tout ça ne servira tant que tu n'auras pas les permis. Ça va aussi pour le bracelet. Tu dois venir, tu veux savoir comment équiper ça, vu les trésors que j'ai. Facile, faisons un essai ensemble. Ok, l'option permis. Donc c'est bon, cette fois je crois que tu es prêt pour mon contrat. Aussi, il y a des problèmes pour sortir de la ville, montre ça aux gardes. C'est la liste des provisions que j'ai commandées. Vu qu'il l'a signé, tu devrais pouvoir sortir sans embobiner les gardes au besoin. Très bien. Allez. Allez, liste de provisions, ça c'est fait. Par la porte S, une fois que tu auras accès au reviens vite me voir, je te récompenserai comme il se doit. Et bah ça me va très bien, Thomas Tagaré, la chasse commence, monsieur. Allez. Vous pouvez équiper le bracelet d'endurance en ouvrant le sous-menu. Avez-vous compris? Oui. Ah, bouge pas. Équipement, boum, lui, équipé, auxiliaire, c'était dans accessoires, bracelet d'endurance. Et le voilà. Augmente légèrement les PV, défense magique, patati patata. J'ai quoi, une veste de cuir sur moi, j'ai un chapeau, un auxiliaire et j'ai une dague ici. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai en termes de permis? Et voilà, le choix de la grille détermine quels permis seront accessibles. Il existe 12 grilles différentes qui permettent l'évolution de personnages variés. Oh là là, c'est trop cool ça. On va prendre... Alors, on va voir. Mage noir. Yes. Voilà. Pouvoirs élémentaux. Attends, 2 secondes, je vois un truc. Ok. Ben là, au niveau de la map monde, hop. Ok, ça c'est bon. Et les dossiers du clan, normalement on va pouvoir voir le bestiaire, le rat géant. Très bien, liste des contrats. Là voilà. Contrat accepté de ma dégâts, ça se trouvait dans le désert. Allez, vas-y, file. Vas-y, file. Papalapapapam, palapapapam, on va tuer la tomate. Par la porte est. Celle qui est en bas. Ok, bah écoute, en avant. Viens là, toi. Attends, comment je vais à la porte est déjà? Attends. Basseville. Ici. Là. Ok, parfait. Je vais juste checker au niveau des commandes. Au niveau des commandes, comment ça se passe? Attends. C'est dans celui-là. Option. Mode vitesse faible, élevé. Mode actif, ok, mode de vibration, mode accéléré x2, x4, voyons voir ce que ça fait x4. Ah ouais, le mode accéléré en x4, il est impressionnant quand même. Ok, donc ça c'est pas plus mal, c'est sympa qu'il l'ait proposé. D'accord, bouton de confirmation, bouton A, bouton B. Ok. Ok, bon bah très bien. Et au niveau de la direction, c'est par là-bas. Yes. Allez, monte la liste des provisions. Oh, gee, that's too bad. You see, it just so happens that your provisioner for the fête tonight, he sent me to pick up a few choice morsels for the consul's dining pleasure. He wants them quick. I got the writ of transit right here. You see, signed, Magello. I just hate to see the consul upset because his food wasn't ready on time. And I sure hate to see him take it out on you. The Lord Consul is a great man. I'm not one to take offense at such trifling matters. Bon, laisse-le passer. Move along, boy. Wouldn't do to keep the Consul waiting. Right. Gates are closed after this. Ha ha! Et ça s'ouvre. Voilà. Bon, on va sauvegarder là quand même. Ça fait combien de temps qu'on est sur cette vidéo d'ailleurs? Crap. Ah ouais, mais je peux pas m'arrêter maintenant, c'est hors de question.
Allez. Non, non, on va au moins faire la première mission pour défaire la petite tomate. Parce que ce serait un petit peu dommage de vous laisser comme ça. Bonjour, monsieur T-Rex. Le TCS de Damalska. Dalmaska. Je sais pas pourquoi je dis Damalska à chaque fois. Allez. Viens là, toi. Viens là, Pampino. Allez. Hop là, ça c'est bon. Ah bah elle est là-bas, je l'ai vu, je la vois la tomate. Attends. Je peux voler des trucs mais ça sert à rien. Ok. Ah c'est sûr que le mode accéléré est quand même vachement pratique. Hein. Allez vas-y. Ah ça va faire. Ok c'est bon. Parfait. Non. Oh. Tellement chou. Non mais t'inquiète, hein. Je vais pas te laisser comme ça. Par contre on va... Ah je peux pas me soigner? Attends. Potion. Hop là, vas-y. Tiens, on va s'occuper de lui. Ça n'a pas trop le choix. Allez vas-y, hop. Encore un arrière. Bon, on va accélérer un petit peu le temps. Voilà, merci. On récupère ça. Vous gagnez de la fourrure de loup. Ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ok, parfait. Tomate est guéri, vaincu. Bon allez, on va aller récupérer notre prime et derrière on va pouvoir arrêter cette vidéo. Never thought I'd see him growing out here. Ugh. This'll make a nice souvenir. Time to call it a day. Okay. Bon. Je propose juste de... Attends. Je vais checker quelque chose. État... expérience 43, niveau suivant dans 8. Eh vas-y, tu sais quoi? Vas-y. Bon par contre on va laisser le gros derrière. Et je crois qu'on peut passer au niveau supérieur là. Voilà, niveau 2, très bien. Allez, on se casse. On se casse, on rentre. C'était par ici hein? Yes, c'est par là. Écoutez, je pense qu'on va aller sauvegarder, on va arrêter cette vidéo juste ici. J'espère que cette découverte de Final Fantasy XII, même si bien sûr il y a beaucoup plus derrière, vous a plu. En tout cas, c'est un véritable plaisir que de le faire, que de vous faire cette vidéo et de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air bien sûr sur cette vidéo, à la partager, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne ou pas. Ça sera toujours encore à toi d'aller à ton écran de décider. Salut, salut. We'll be right back.